des polices. Nous allons à présent essayer de changer les polices. La première chose que nous allons faire, c'est régler la police par défaut de la page web. On va prendre une police standard et plus que préciser une police, on va préciser une famille de police. C'est-à-dire qu'on va indiquer par exemple que la police par défaut sera la police Verdana. Et si jamais on ne trouve pas la police Verdana sur l'ordinateur de la personne qui regarde la page web, à ce moment-là, il prendra une police sans sérif, c'est-à-dire une petite police qui n'a pas de fioriture, qui est très sous forme de bâton, qui en fait est sous forme de bâton comme la police de caractère Arial. Alors, on va essayer de rajouter dans la partie body là quelque chose, une règle supplémentaire. On va aller à la ligne sous color. On va rajouter font family. Peu importe l'endroit où on le met. L'essentiel, c'est que ce soit des règles qui soient passées les unes après les autres. Font family. Donc ça veut dire famille de police avec Verdana. Et si jamais il ne le trouve pas, on prendra une police sans sérif. Point virgule. Voilà, donc là normalement il prendra du Verdana s'il le trouve, sinon il prendra n'importe quelle police sans sérif. Par contre, dans le titre H1, je vais changer de famille de police. Là, je vais prendre plutôt du Verdana. Donc même chose, on va faire font-family, deux points. On va spécifier le Taoma. Et dans le cas où on ne trouve pas de Taoma, là, je me suis trompé, j'ai mis un point virgule, hop, virgule. C'est pour ça que ce n'était pas en gras en fait. Donc dans le cas où il ne trouve pas du Taoma, virgule, on va mettre une autre police sans sérif. Point virgule. Alors on va enregistrer et puis on va regarder ce que cela donne. Je vais prendre index 1. Et normalement, là, il a mis une police de caractère et une autre pour le titre de niveau H2. Donc je rappelle que le H1, il est en marron, il est sur un fond marron. D'accord? La couleur de la. Non, pas sur un fond marron, sur un fond blanc avec une police marron. Ça, c'est le titre H1. Donc là, nous sommes en Taoma, alors que le reste est en Verdana. Donc la police est très légèrement différente. On va aussi avoir la possibilité de faire une police personnalisée. Donc ça, je vais le faire dans une autre vidéo. Cela signifie simplement que si la police n'est pas disponible, à ce moment-là, il va la télécharger et il va pouvoir la lire. Donc on va vraiment pouvoir nous imposer presque une police à l'internaute.